Un philosophe, c'est quelqu'un qui euh, pose des principes et ensuite déduit toutes les conséquences de ces principes, même si ces conséquences nous paraissent choquantes. Ayn Rand, elle, elle, elle vient du monde communiste hein, parce qu'elle est, est née euh, en Russie euh, soviétique. Quand elle est arrivée aux États-Unis, très vite, elle s'est rendue compte qu'en fait, il y avait une sorte de séduction pour le socialisme. Roosevelt mettait en place un système collectiviste de planification centrale. Donc elle a été écœurée par ça. Dans ce roman, elle met en scène des entrepreneurs qui en ont marre d'être taxés, d'être réduits en esclavage, d'être punis, d'être culpabilisés parce que justement ils créent de la richesse, parce qu'ils font du profit. Donc ces gens-là, ils se disent, bah, puisque on veut nous punir, eh bien, en ce cas-là, on fait la grève. What's the second best? There is no second best. There's no second best crypto asset. There's a crypto asset, it's called Bitcoin, right? Right? There's no second best. Si vous écoutez nos vidéos, c'est sûrement parce que tout comme moi, vous avez eu un doute dans les affirmations des économistes et autres politiques qu'on retrouve sur les plateaux télé. Bitcoin vous semble être une proposition intéressante, mais vous avez du mal à avoir une vision complète de la chose, à vous projeter dans le futur et voir comment notre société pourrait être totalement métamorphosée avec une monnaie saine. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, des cerveaux brillants se sont posés les mêmes questions et y répondent dans des livres qui sont aujourd'hui traduits par la maison d'édition Consensus Network, qui est le sponsor de cette vidéo. Vous retrouverez sur leur boutique... Par exemple, l'auteur qui m'a fait avoir mon obsession avec Bitcoin, Sef Dynamus, qui a réalisé la trilogie Les Talons Bitcoin, Les Talons Fiat et Principe économique, vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Vous retrouverez aussi des auteurs français édités exclusivement par Consensus Network, comme deux livres qui viennent tout juste de sortir L'élégance de Bitcoin de Ludovic Lars et l'énergie de la face cachée de la monnaie de Pierre Noisa, pionnier sur Bitcoin. Si vous souhaitez vous offrir ces livres ou en offrir à votre famille, à votre oncle, à votre enfant, à votre sœur, à votre frère ou au président Macron pour qu'il puisse enfin s'oranger peel pile et partager votre obsession et je sais de quoi je parle, nous avons un code promo pour vous qui vous permettra de bénéficier de 10% de réduction. Le lien est dans la description, allez-y. Bonjour à tous, on se retrouve sur Auto Bitcoin. Aujourd'hui, on est en compagnie de Damien Tellier, fondateur de l'Institut Copé. Euh, fondateur aussi de la chaîne YouTube École de la Liberté ouais, tout à fait. et professeur de philosophie, ouais. euh, un grand adepte des théories euh, libertariennes. Euh... D'abord à l'origine de l'école libérale française. Okay. Tu vois, 18e, 19e siècle, ça a été vraiment ben, l'Institut Copé, c'est ça, c'est-à-dire c'est euh, une plateforme sur laquelle on a euh, republié un certain nombre de textes euh, classiques mais complètement oublié en fait au xxe siècle et au xxie siècle de la tradition du laisser faire hein, le laissez-faire français qui est vraiment une tradition extrêmement euh, riche et euh, tous les libertariens modernes aujourd'hui puisent en fait leurs, leurs origines dans cette école euh, bien sûr il y a aussi l'école anglaise l'école écossaise qui a avec beaucoup d'affinités mais l'école française elle est, elle est vraiment méconnue en france alors qu'elle est très appréciée aux états unis c'est mmh. tout paradoxe c'est qui on retrouve dans, dans bah, cette école, c'est Frédéric Bastiat. Bah, tu vois, déjà, par exemple, quelqu'un qui est très connu des bitcoiners, c'est Cantillon, mmh. parce qu'on parle beaucoup de l'effet Cantillon aujourd'hui. Hein. C'est un des premiers théoriciens de la monnaie, Richard Cantillon. Mais euh, ensuite, on a euh, François Kenney, qui est le fondateur des physiocrates. Et puis, euh, on a ensuite Jean-Baptiste Say. Euh, on a Frédéric Bastiat pour les plus connus. Mais après, il y, y en a une myriade. Hein. Ok. Okay. Vous, vous avez passé beaucoup de temps en fait à reprendre leurs textes, les republier, voilà. les rendre voilà, disponibles à nouveau. Exactement. Tout à fait. Donc sur le site de, des éditions euh, Copé, il euh, y a, il euh, bah, doit y avoir 400 euh, 400 bouquins qui sont euh, disponibles, soit en version papier, soit en version euh, numérique euh, gratuite. Mmh. Okay. Et aujourd'hui, on est là euh, pour parler à la fois de Bitcoin, mais ça va être un sujet plutôt annexe. Euh, plus large, disons. plus On va essayer de, ouais, de va prendre essayer, un peu de recul, résistance ouais. et revenir un peu aux mmh. sources de pourquoi Bitcoin, pourquoi aujourd'hui autant de gens s'y intéressent. Euh, oui, autant de gens s'y intéressent, mais pas que. Pourquoi au fur et à mesure, en fait, s'intéresse à d'autres choses, et ouais. pourquoi on est là aujourd'hui à parler de, avec toi, de liberté, euh, parce que comme tu, tu le disais juste avant, euh, ce on a discuté. Euh, aujourd'hui, on fait face à un problème. En tout mmh. cas, en tant que bitcoiner, on, on, on prend conscience que c'est un problème. C'est la corruption de la monnaie, ouais. le fait que on n'a plus la main sur notre monnaie, que euh, on l'utilise contre nous entre guillemets, mmh. euh, qu'on qu l'imprime, qu'on décide de, de budget à notre place. Mmh. Et, euh, et on se rend compte aussi, au fur et à mesure, que c'est pas une corruption qui est seulement de la monnaie, non. mais de plein d'institutions et plein de façons surtout de voir la vie. de d'imaginer les relations entre les humains mm -hmm. et de, de voir notre place nous euh, dans le monde. Et c'est là que qu'intervient Enrand. Ouais. Et, et, euh, qu ouais. et euh, bah, j'ai eu l'occasion de lire son livre euh, mm -hmm. Atlas Shrugged mm -hmm. récemment là, je, mm -hmm. ma mère me l'avait offert à Noël. Et je l'ai adoré, vraiment une super histoire. Est-ce que plus tu peux de, le faire euh... plus de 1000 pages hein, en, en français dans la dans la version française, c'est traduit la grève. Ouais. Euh, tu veux qu'on parle de, de ça tout de suite ouais, peut-être, euh, ouais. parce que c'est quand même, ouais. j'imagine, son œuvre la plus connue. Peut-être, euh, bah ouais, vite fait, nous, nous décrire. Mmh. Ouais. Mais tu vois, pour reprendre ton, ton introduction et un point qui me paraît très important, c'est qu'effectivement, beaucoup de gens aujourd'hui constatent qu'il y a un problème avec la monnaie parce que euh, c'est cette monnaie, elle est inflationniste. Donc, ça veut dire qu'on perd notre pouvoir d'achat et puis euh, surtout, l'État veut dépenser à notre place. Mmh. Euh, il veut nous dire comment on doit dépenser, etc. Donc là, euh, on voit bien qu'il y, y a, effectivement, comme tu dis, une corruption. Mais euh, le, le propos d'Ainrand, et c'est là où on en arrive à cette hauteur, que tu, euh, que tu as découvert et euh, moi que je lis depuis des années, mais euh, bien avant Bitcoin finalement, et, et quand et quand Bitcoin est arrivé. Euh, je me suis rendu compte qu'elle était extrêmement pertinente pour comprendre en fait les, les problèmes actuels et les problèmes euh, contemporains. Et donc, euh, en fait, son point de vue, c'est de dire le problème n'est pas seulement monétaire, financier, ni même économique. Le problème, il est philosophique, fondamentalement. Voilà. Je crois que c'est ça son message, et c'est en ça qu'elle est extrêmement pertinente, même si. On peut par ailleurs être en désaccord avec tel ou tel point. On peut lui reprocher son style de vie. On peut lui reprocher ses choix, euh, bon, personnels. Mais ça, on peut le faire pour tous les auteurs. Hein. Donc, euh, donc c'est c'est vraiment euh, pas le problème. Donc euh, son message fondamental, à mon avis, il, il est il est euh, il est pertinent pour nous. Donc Atlas Shrugged, donc tu, tu cites son roman le plus connu, celui qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, plus de 10 millions d'exemplaires, et, euh, et qui a été traduit en français par euh, le titre La grève. Déjà peut-être, est-ce que tu sais ce que, ce que ça veut dire Atlas Shrugged Je l'ai découvert après ouais. l'avoir lu, <laughs> parce que ça me mmh. ça me lupiné, ouais, et, ouais. Mais vas-y, tu peux l'expliquer. Oui, donc Atlas c'est un espèce de c'est un titan dans la, dans la mythologie mmh. grecque. Et euh, il, il, il porte le monde. Euh, il est condamné en quelque sorte à porter le monde sur ses épaules. Mm -hmm. Il y a d'ailleurs des, des représentations de ça. On en voit, il y en a une à New York. Il y a une, il y a une statue ouais. euh, d'Atlas à New York euh, qui est assez connue. Et Shrugged, ça veut dire euh, qu'il haussa les épaules. Hein, euh, Tout shrug, c'est hausser les épaules. C'est euh, bon, euh, voilà. Et donc Atlas Shrugged, ça veut dire Atlas laissa tomber. Il laisse tomber le monde il décide de, euh, de ne plus le porter, justement. Et, et pourquoi ça a été traduit en français par La Grève C'est étonnant. Hein Mais en fait, parce que dans ce roman, elle met en scène des entrepreneurs, des ingénieurs, euh, qui en ont marre d'être taxés, d'être réduits en esclavage, euh, d'être punis, d'être culpabilisés parce que, justement, ils créent de la richesse, parce qu'ils font du profit. On les traite de sales, égoïstes. Euh, et euh, l'État veut, euh, alors c'est dans un futur euh, de fiction, mais qui quand même fait beaucoup penser au monde d'aujourd'hui. Et euh, l'État veut euh, tout simplement nationaliser, euh, contrôler l'économie. Donc ces gens-là euh, qui, euh, qui ont donné beaucoup de, de leur vie finalement pour créer de la richesse, et eh bien décident de ne plus créer de richesse. Ils se disent, bah, puisque euh, on veut nous punir. Et eh bien, dans ce cas-là, on fait la grève, en fait, de la production. Et, euh, donc, voilà, je ne vais pas raconter tout le roman, mais, globalement, c'est ça, c'est-à-dire que ils vont décider de se retirer, en quelque sorte, du monde, euh, et de laisser le monde tomber, quoi, sans eux. Et, on alors, c'est... C'est pas seulement des entrepreneurs ou des ingénieurs, même si ce sont un peu les héros. Il y a, il y a une femme qui est une des héroïnes du, du roman, qui elle est l'entrepreneur. Et puis il y a un homme qui lui est ingénieur, qui a inventé un moteur euh, novateur. Euh, il y a aussi un type qui a créé un alliage. Un, un métal euh, qui, qui est très prometteur pour le futur et ces gens là donc effectivement vont, euh, vont créer une sorte de communauté parallèle euh, retirée en fait de, euh, du monde et à l'abri justement de la prédation de l'état donc euh, c'est donc vraiment un roman qui, qui, est, qui est captivant euh, parce qu'il est bien écrit, euh, parce que les personnages sont des héros qui vraiment bah, sont séduisants, sont, euh, on a envie de leur ressembler. Ils ont, euh, ils ont des très fortes personnalités. Euh, et en même temps, euh, Anderland dans ce dans ce roman va infuser un certain nombre d'idées euh, et de théories philosophiques. Euh, pas complètement, mais euh, elle, elle, voilà, elle va disperser un certain nombre de choses et d'idées. Et après le succès de ce roman, beaucoup de gens vont lui demander de développer ça. Beaucoup de gens vont ressentir le besoin de mieux comprendre euh, les, les, les points de vue de euh, notamment de John Gold qui est vraiment le, le personnage clé du roman. John Gold qui fait un discours fleuve à un moment donné dans le dans le roman euh, qui doit faire 30 ou 40 pages au moins. Ouais. Et, euh, et, et là, il y c'est très philosophique et il y a, y a pas mal aussi de d'allusions à, à des à des théories, etc. Donc elle va, par la suite, dans les années 60, essayer de développer ça sous un sous, sous un mode beaucoup plus théorique et philosophique, qui est l'objectivisme. Alors voilà, c'est-à-dire ça. qu'elle a voulu euh, créer son propre courant. Euh, elle une c'était une femme extrêmement indépendante euh, qui détestait euh, être assimilée à, à, à des courants déjà existants. Elle voulait pas. Donc, euh, elle a toujours refusé de se dire libertarienne ou d'appartenir de, de, euh, au, au courant libertarien, même s'il y a de grandes affinités par ailleurs. Euh, elle voulait pas du tout être assimilée aux conservateurs, euh, et euh, donc elle a créé son propre courant qu'elle a appelé l'objectivisme. Mais en fait, quand on regarde de près, euh, alors moi, en tant qu'historien des idées et qui euh, travaille beaucoup sur justement l'évolution des idées au cours de l'histoire, bah, elle se rattache d'abord et avant tout à la philosophie grecque. L'objectivisme, ça n'est rien d'autre qu'une sorte de, ré, de, de réactualisation ou de mise à jour un peu moderne de la philosophie et du rationalisme de la philosophie grecque. Mais elle, elle le dit très clairement, elle ah, en oui. parle très souvent, qu'elle elle vient oui. chercher, elle source ses idées dans celles Aristote. Exactement, ça. voilà, elle avait une grande, grande admiration pour Aristote. Euh, y compris aussi pour euh, saint Thomas d'Aquin au Moyen Âge qui est le disciple d'Aristote même si elle elle-même n'était pas croyante mm -hmm. mais elle reconnaissait chez saint Thomas vraiment le, le travail d'un d'un vrai philosophe euh, d'un vrai penseur et, et je pense ouais. que ça pourrait être intéressant de du de commencer Aristote et de de montrer c'est quoi en fait la, la révolution euh, philosophique ouais. intellectuelle qui ouais. Qui démarre de lui avec sa conversation avec Platon. Ouais, et son, tout à fait. Mh, ouais, La, la ouais, dualité absolument. entre les deux personnages. Ouais, ouais, très bien. Et, et après, je pense qu'il faudra revenir sur justement le libéralisme classique, parce que moi, je dirais les deux sources d'Ayn Rand, c'est la philosophie grecque et le libéralisme classique, justement du euh, 18e-19e, mm -hmm. notamment parce qu'elle revendique l'expression laisser faire capitalisme de laisser-faire. Et le laisser-faire, c'est vraiment une expression française qu'elle reprend et qui se trouve euh, à partir de, euh, du XVIIe siècle en France. Donc, oui, pour, pour ce qui est de la philosophie grecque, euh, <coughs> euh, en fait, le, 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 le cœur euh, de cette philosophie, selon Einrand, c'est la rationalité. Et je pense qu'elle a raison, c'est tout à fait juste. Et la rationalité, ça peut être théorique comme ça peut être pratique, c'est-à-dire que ça peut être la rationalité du point de vue de, de la, du raisonnement, hein, la, la, la capacité, l'art de raisonner, de bien raisonner, et donc de suivre les lois du raisonnement. Mais ça peut être aussi l'art de faire les bons choix hein, et de rechercher euh, la perfection morale ou le bonheur. Pour les Grecs, c'est la même chose en fait, une sorte de sagesse pratique. En fait, la rationalité, c'est la sagesse sur le plan du développement de la pensée, de la pensée théorique, mais c'est aussi euh, la sagesse dans les actions, dans les choix, dans euh, et dans la dans la l'accomplissement la réalisation de soi. Donc, euh, euh, oui, tu parlais du, du dialogue entre Platon et Aristote, parce que Aristote est le disciple de Platon. Euh, donc il a repris euh, un certain nombre de, de points de vue qui étaient déjà présents chez Platon et chez Socrate, euh, notamment alors je dirais ce qu'il est réuni tous les trois et ce qu'on va retrouver chez Ayn Rand, et c'est pour ça que le, le mot objectivisme n'est pas choisi au hasard c'est l'idée que euh, il y a il existe une réalité hors de nous hors de notre pensée il y a une réalité une réalité euh, qui est objective justement, c'est-à-dire que nous n'avons pas créé, que nous n'avons pas façonné. Elle est indépendante de notre esprit et elle a ses propres lois. Voilà, cette réalité, elle est structurée et elle obéit à des lois. Donc en fait, être rationnel, ça veut dire euh, accepter de comprendre cette réalité, de la connaître, d'en connaître les lois, euh, d'être capable de conceptualiser correctement et donc ça veut dire de définir, de définir correctement les choses. Mmh. Voilà. Mais en, en quoi ça s'oppose avec euh, la vision qui était... A, alors, euh, a, avant qu'il y ait Aristote, oui, 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 c'était oui, quoi oui, la, la vision oui, et ben prédominante voilà, et, et en quoi aujourd'hui, mm. euh, on s'écarte au fur et à mesure de la rationalité sans s'en rendre compte ouais. et, Parce que c'est vachement dur, oui, on oui, a oui, tous oui. l'impression, bah oui, le, le, le monde existe, j'en ai bien conscience. Et pourquoi euh, insidieusement, au fur et à mesure, mm. on s'en rend pas compte, mais on s'en écarte. Mm. Euh, on a des raisonnements en fait qui où on s'est créé un autre monde mm. et on s'est éloigné d'un du, ouais, monde sûr. dans lequel mm. on peut affirmer que, comme elle aime le dire, A et A ouais. et, et que oui, la, la voilà, loi de l'existence. Une baleine euh, n'est pas un poisson, c'est un mammifère. Et donc voilà, on peut pas dire n'importe quoi mm. euh, sur les choses. Il faut euh, accepter de reconnaître avec humilité que euh, nous ne créons pas euh, la vérité. En fait, la vérité, c'est simplement le reflet en nous de ce qui existe hors de nous. Mmh. Et donc, euh, euh, donc, tu disais comment, comment cette, cette rationalité est apparue et comment elle s'est opposée à, à, à un mode de pensée qui était dominant à l'époque, qui était la mythologie. Mmh. Tout simplement, ce que Ayn Rand appellera le mysticisme, c'est-à-dire euh, la croyance dans un monde qui est fantasmé ou qui est euh, le fruit de notre imagination. Et de nos désirs, en fait. On a tendance à voir le monde tel qu'on aimerait qu'il soit. Donc, on a tendance soit à l'idéaliser, soit au contraire à le voir d'une façon extrêmement négative et excessivement pessimiste. D'ailleurs, les Grecs étaient assez pessimistes. Les Grecs, ici, je ne parle pas des philosophes, mais je parle plutôt de des, du peuple, enfin des, des gens, des citoyens. de... Et ils avaient euh, ils avaient peur des dieux. Pour eux, les dieux étaient une source de, de crainte. Oui, de... parce que les dieux étaient euh, vus comme euh, capricieux et euh, comme euh, imprévisibles euh, et donc justement irrationnels. Voilà. Et donc, euh, il fallait s'en méfier, et, euh, et on ne savait jamais euh, de quoi serait fait l'avenir, et on pouvait pas en fait euh, prévoir son, son, son futur parce que' on se disait toujours, il va arriver quelque chose qui, qui va déjouer tous nos plans, etc. Et en fait, les, les philosophes sont arrivés pour se dire euh, que euh, il fallait euh, penser autrement. D'abord, si les dieux existent, ils sont rationnels, et s'ils sont rationnels, ça veut dire qu'ils s'occupent pas de nous. Par exemple, c'est Épicure qui dit ça, qui dit euh, Il ne faut pas craindre les dieux parce que les dieux sont heureux. Mais si les dieux parce qu'ils sont parfaits. S'ils sont parfaits, ils sont heureux, et s'ils sont heureux, ils n'ont pas à se préoccuper des hommes. Ils sont totalement indifférents à nous. Donc on peut vivre notre vie euh, dans l'indifférence aussi à l'égard des dieux. Donc voilà, Alors, euh, en fait, c'est ce qu'on appelle le passage du mutos, donc en, en grec mutos, ça veut dire en français c'est le mythe, au logos qui veut dire la raison. Voilà, le passage du mutos au logos, c'est ça qui s'est produit au 5e siècle avant jésus-christ avec socrate, platon, aristote et les autres. Euh... On, on commence à, mmh. à se dire que la, la nature, le monde est gouverné par des lois. c'est ça. et c'est pas juste des choses qui sont données arbitrairement voilà. dans le, la conscience d'un esprit supérieur. Ouais. Et qui euh, qui serait absolu et qui nous dit euh, telle chose et comme cela et et je peux changer en plus les lois et donc mmh. les lois sont euh, bah oui ça fait un... penser ça fait penser à quelque chose d'actuel ça aussi parce que quand tu parles d'arbitraire on voit bien qu'aujourd'hui l'état est devenu une sorte de nouvelle religion euh, c'est une espèce de dieu euh, que voilà qu'on doit respecter euh, adoré et euh, et lui cet état il est euh, autorisé à faire euh, tout euh, et, et, de, et sans forcément respecter justement les lois de la réalité donc c'est ça qui est choquant et c'est ça qui aujourd'hui euh, nous nous fait euh, comprendre que quelque chose ne va pas ben, euh, en effet bon donc euh, euh, la rationalité euh, c'est d'abord donc c'est la logique mais ça Héranne va va beaucoup aussi euh, développer parce que euh, elle va essayer de, de, de faire une sorte de petit traité de logique simplifié hein, qui est l'épistémologie objectiviste. Mmh. Euh, c'est pas ce qui est le plus facile. c'est pas la partie la plus simple. mais euh, <coughs> si on veut un peu creuser et comprendre comment on doit euh, définir correctement les, euh, les concepts, comment on doit raisonner, <coughs> par exemple, euh, aristote est à l'origine d'un mode de raisonnement qui est le, le syllogisme. Et le syllogisme, c'est un raisonnement déductif. On part de prémisses, euh, c'est-à-dire de propositions qui sont euh, jugées euh, vraies, objectives, euh, c'est-à-dire validées par par l'expérience, et on peut de là déduire un certain nombre de conséquences. Et, et ça, c'est vraiment le c'est le modèle même du, du raisonnement. C'est-à-dire euh, un philosophe, c'est quelqu'un qui euh, pose des principes et ensuite déduit. Toutes les conséquences de ces principes, même si ces conséquences nous paraissent choquantes euh, mmh. euh, et, et viennent euh, nous déstabiliser. Le, le, le bon philosophe, c'est ça. Okay. Il, il met en place euh, des, des principes. C'est les, les, le, le raisonnement axiomatique, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu au début, tu, tu affirmes quelque chose voilà. que tu ne peux pas contredire. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Il y a, il y a, hum, il y a cette première, euh, ce premier axiome au mmh. début qui est euh, j'ai toujours du mal à l'expliquer, celui-ci. Ben, mais c'est que je, je, je pense, j'agis. Je, non, je te laisse. <laughs> non, mais en fait, euh, le terme axiome, c'est un terme qui est repris des mathématiques, parce que mmh. dans euh, la géométrie de Clide, il y a les fameux axiomes. Euh, le tout est plus grand que la partie, etc. Et, euh, et donc, euh, on, on peut transposer ça en philosophie et euh, se demander quels sont les axiomes fondamentaux euh, sur lesquels tout le monde peut euh, se mettre d'accord. Et donc, euh, bon, il y en a un certain nombre, mais euh, je dirais que le propre aussi de la philosophie, c'est qu'on peut toujours quand même les contester, plus ou moins. Hein, on peut toujours dire qu'il n'y a, y a jamais non plus un, un accord total et euh, absolu aussi fort que dans les mathématiques. Il y a quand même une différence entre la rationalité mathématique, parce que la rationalité mathématique, elle est purement euh, mentale, en fait. Hein. C'est un monde qui est euh, dans l'esprit humain. Alors que la rationalité philosophique, elle dépend quand même de l'expérience. On est obligé de passer par l'expérience. Mmh. Euh, et l'expérience, elle passe par par nos sens, et donc elle peut toujours être vue de manière différente. C'est pour ça qu'il y aura toujours des, des, des polémiques, il y aura toujours des... Donc, moi, le terme d'axiome, je, je, je le comprends, euh, mais il faut, il faut le prendre avec certaines nuances. Hein, euh, parce mais... que sinon, ça, ça, ça ferait penser qu'en philosophie, on peut euh, aboutir à des vérités absolues et incontestables. Euh, oui, mais en même, temps, en même temps, il y aura toujours des débats et il y aura toujours des controverses, malgré tout, parce que les prémices de base peuvent euh, être contestées par certains. OK. Et, le, et ce premier axiome sur lequel elle base la rationalité, c'est lequel bah, C'est euh, la, la, la. Alors, elle, parce qu'il y, y a différents points de vue, euh, mais euh, elle, elle dit c'est la réalité existe. OK. Ah. C'est tout bête, hein, mais euh, la réalité existe. Ça veut dire que je, euh, je, je ne suis pas le, euh, le, le, le créateur. Euh, je ne fais pas exister la réalité. Elle existe avant, avant moi et indépendamment de moi. Mmh. Et, et après, elle va plus loin en disant que l'homme est capable oui. de, de est prendre ça. conscience Exactement de cette ça. réalité. Après, c'est de... la conscience, ouais, tout à fait. Ouais, de ouais, ouais. de l'intégrer mmh. euh, sous forme de concept abstrait euh, dans sa pensée. Donc... Euh, parce que, justement, euh, comme la réalité est constituée d'un certain nombre de lois, par exemple, une loi qui est fondamentale, c'est <coughs> la loi de la causalité. Et ça, c'est Aristote aussi qui l'a bien euh, mis en lumière. C'est l'idée que toute chose a une cause. Et que, euh, et que donc, euh, toute cause a des effets. Mmh. Voilà. Et donc, euh, cette, cette loi de causalité, elle est extrêmement importante pour Ayn Rand parce qu'elle permet de comprendre que, euh, par exemple, si on veut qu'il y ait de la richesse, ben, il faut qu'il y ait euh, des producteurs. Il ne peut pas y avoir de richesse s'il n'y a pas des gens qui ont produit cette richesse, mmh. qui sont les causes efficientes, productives de cette richesse. Donc il faut des entrepreneurs, il faut des ingénieurs, il faut des inventeurs, etc. Et finalement, et là où elle est intéressante en plus, c'est qu'elle dit que la cause même de la richesse, c'est l'esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas une cause matérielle, ce n'est pas, euh, pas de la matière. Donc là, elle se détache complètement, évidemment, de, de Marx notamment qui, qui était matérialiste non elle dit c'est vraiment la capacité de penser c'est l'esprit humain qui est la cause fondamentale des mmh. richesses d'ailleurs c'est pour ça aussi que c'est pas la nature en fait hein, c'est pour ça que euh, la richesse n'est pas quelque chose de fini n'est pas quelque chose de limité c'est quelque chose qui est potentiellement infini, ouais. parce que l'esprit humain peut toujours créer et, et inventer. Il ouais, y a vraiment l'exemple du pétrole, par exemple. Oui. Pendant des, des siècles et des millénaires, on a vu ça comme oui. une pollution, quelque chose de sale. Bah, on le voit comme une pollution oui. aujourd'hui, mais on, on disait qu'il n'y avait aucune valeur dans le pétrole et que c'était juste un, un déchet euh, dont il fallait qu'on se protège. Oui. Et ouais. puis, à un moment, on s'est dit, mais tiens, ça, on peut l'allumer, on peut en faire du ouais. feu, on peut le, en fait, c'est une source d'énergie qui est incalculable. Et, euh, et c'est en fait le génie humain qui, qui lui donne une valeur euh, par, ah oui, tout à fait, euh, ouais. en étant capable de l'utiliser pour faire d'autres choses. C'est un bon exemple, ça. Oui. Ouais, ouais, ouais. Et, et c'est là où justement les, les, les écologistes décroissants et euh, tous ceux qui disent que euh, qui, qui nous font peur avec l'idée qu'on va manquer de ressources que, que, et donc on, on court à, à l'apocalypse et à la mort. Bon, c'est justement ça, c'est une négation des lois de la réalité. On, ils ne comprennent pas en fait. Et, et souvent, ces gens-là, d'ailleurs, qui sont assez ignares en économie, pensent que euh, la richesse c'est une sorte de gâteau et euh, qu'il faudrait euh, découper en parts égales pour que tout le monde ait la même part. Mais ils ne, ils ne comprennent pas que ce gâteau, il a fallu qu'il arrive de quelque part. Il a fallu qu'il soit créé. Et en plus, c'est même pas un gâteau fixe. La richesse, c'est quelque chose qui peut. Toujours augmenter ou même diminuer d'ailleurs, même disparaître si ou disparaître. on s'entête bah, oui, à oui. ne pas vouloir l'avoir. Voilà, c'est ça. Mais bon, euh, mais pour revenir à la loi de causalité, donc là j'ai pris un exemple, c'est la, la richesse, mais on pourrait prendre un autre exemple, c'est le fait que euh, nous sommes euh, la première cause de nos actions. Ça, c'est très important parce que c'est la liberté. Qu'est-ce que la liberté Sinon le fait d'être la cause de euh, ses actes, de sa pensée, de ses choix. C'est ça profondément la liberté. Euh, et c'est quelque chose qui est contesté aujourd'hui c'est pour ça que on parlait de Bitcoin au, au départ et on parlait de la monnaie et donc de la et donc de la richesse et mais plus profondément euh, la première je veux dire, la cause la plus fondamentale avant même de créer de la richesse c'est d'être capable de, euh, de, 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 de de se gouverner soi-même en fait donc d'être autonome d'être libre hein, c'est à dire de faire ses propres choix euh, d'avoir ses propres pensées, ses propres jugements euh, et d'être donc la cause de soi-même, hein, de, de, de vivre par soi et non pas par les autres, euh, de ne pas subir le conformisme ambiant, de ne pas laisser les autres penser à notre place. C'est ça la liberté en fait. Et et c'est ça qui est beaucoup euh, mis en doute aujourd'hui par des théories qui vous disent qu'en fait euh, l'homme n'est pas libre parce qu'il est le produit donc un effet. De force, de force sociale ou de force matérielle, et que finalement on aurait donc besoin d'un État qui nous gouverne, parce que nous on serait trop faibles, on ne serait pas capables. Donc il faudrait qu'il y ait justement des hommes plus intelligents que nous, qui soient une espèce d'élite. C'est ça, en fait, la représentation qu'on a aujourd'hui, euh, qui eux sont capables de faire les bons choix pour nous et de nous diriger, de nous gouverner pour notre bien. Une technocratie. Mais ah bah c'est ça, voilà. Donc en fait, euh, on a d'un côté la justice sociale qui dit euh, il faut découper le gâteau en part égales, mais qui se soucie absolument pas des causes. Mmh. Et puis de l'autre, on a une, une, une pensée de l'État euh, qui nie en fait la liberté. Et en fait, dans les deux cas, c'est la théorie de la causalité, c'est la loi de la causalité qui n'est qui qui pas reconnue en fait, qui est ignorée. Mmh. Il ouais, y a vraiment. Euh... Parce que si, si tu pars du principe que les ressources, comme tu l'as dit, et la, la richesse provient du cerveau humain, mais d'un cerveau à chaque fois, et c'est dans, dans son individualité, dans son sa relation avec euh, l'existant, avec la nature, en faisant ses ses propres déductions, en essayant, en ratant, et euh, au fur et à ouais. mesure en découvrant, en payant les coûts aussi, et en payant les coûts lui-même, ouais. il, il finit par euh, par trouver des choses, par trouver de la, de la valeur. Mais eux ni ça dans le sens où ils vont penser que en tout cas ils vendent la théorie comme quoi euh, c'est le cerveau commun oui, c'est oui, la société ouais, cette cette, euh, cette grande chose on, dont on a du mal en fait à, ouais, ouais. à donner une définition parce que c'est ouais. quasiment mythologique et, et religieux ouais, ouais, ouais. où il euh, y, y aurait cette ouais. cette représentation de d'une société qui serait ouais. capable de prendre les choix pour nous et de trouver les ressources, la valeur. Ouais. Et en fait, quand tu 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 tires le fil, tu te rends compte que c'est toujours pour donner le pouvoir à d'autres ouais. et que derrière ce, ce cet aspect religieux et, et cette société qui devrait nous gouverner, en fait, il y a quand même des hommes, des cerveaux qui eux pensent pour nous. Ouais, c'est ça. On ouais. a ouais, ouais. bah, du mal à comprendre en fait euh, où ils veulent en venir et quand tu te rends compte que bah, quand tu veux anniler l'individu pour le mettre dans le groupe, à la fin, tu, tu finis toujours vers une sorte de totalitarisme. Où derrière, mmh. bah, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui représente cette société ouais. dans lequel tu mets le pouvoir. Mais tu vois, pour revenir à Ayn Rand, elle, elle, elle vient du monde communiste hein, parce qu'elle est, elle est née euh, en Russie euh, soviétique. Euh, elle a, elle a fui donc l'Union soviétique en 1926. Et quand elle est arrivée aux États-Unis, euh, elle a été quand même très très déçue et sur. Bon, au départ, elle a été séduite évidemment par par cette société qui était évidemment une société extrêmement euh, libre et joyeuse d'ailleurs par rapport à ce qu'elle avait vécu. Mais très vite, elle s'est rendue compte qu'en fait, il y avait une sorte de séduction pour le socialisme aux États-Unis de la part des intellectuels, de la part des politiques. Il y a eu une New Deal. Très vite, elle a vu qu'effectivement, ben voilà, le, le président Roosevelt mettait en place un système collectiviste de planification centrale. Donc, elle a été écœurée par ça. -ce que New Deal exactement C'était quoi le Bah ben le, le, New, le New Deal, c'était après la crise de 29. Tu vois, elle est arrivée en 26. Il y a eu la crise de 29, donc très vite, elle s'est retrouvée confrontée effectivement à Irlande à, euh, aux politiques, euh, pour essayer de parer à la crise. Et le New Deal, c'était l'idée de, de créer des emplois. L'État créait des emplois pour essayer d'aider les gens. Faisait des... des grands travaux. Ouais. C'est là qu'on a, a construit des barrages, des ponts, etc. Mais euh, et puis surtout de la, des, des subventions, l'État providence, quoi, tout simplement. Euh, mais en fait les, les économistes euh, bon sont, sont toujours un petit peu euh, en désaccord là dessus mais euh, notamment les économistes autrichiens euh, disent que c'est pas c'est pas le new deal qui a sauvé les états unis c'est la seconde guerre mondiale c'est à dire que c'est là que l'économie est repartie. c'est pas du tout avec le new deal le new deal ça a été une espèce de de trucs démagogiques et rhétoriques, en fait, où on a fait croire aux gens que l'État s'occupait d'eux, mais ça n'a ça absolument rien changé. En revanche, quand les États-Unis sont rentrés dans la Seconde Guerre mondiale, là, ils ont fait euh, marcher à fond leur industrie euh, militaire, et c'est là que le, le, la croissance est repartie. Non, bon. Bref, mais en tout cas, Ayn Rand, elle a vu ça, et elle s'est dit, mais, euh, mais, mais pourquoi les, les Américains sont-ils autant séduits par les idées socialistes et euh, et c'est ce qui va justement apparaître ça va être son questionnement et elle va essayer d'y répondre à travers ses romans d'abord. Donc il y a de Fountainhead traduit en français la source vive qui est le, le premier qu'elle a écrit donc en 43 je crois euh, qui, qui est un roman magnifique qui a été mis en scène euh, en, au cinéma en 49 euh, par King Vidor dans, dans un dans un, un film que que moi qui m'a beaucoup beaucoup marqué. Puis euh, Atlas Schröd, et euh, la suite, c'est plutôt la philosophie avec ses essais. Elle a, elle a écrit un certain nombre d'essais euh, philosophiques. Mais euh, le socialisme, euh, com comment se fait-il que euh, les élites intellectuelles, voire même les entrepreneurs, c'est ça C'est-à-dire qu'elle montre aussi que beaucoup d'entrepreneurs aux États-Unis euh, sont euh, de connivence avec l'État. D'ailleurs, on le voit très bien dans le roman La Grève. Et, euh, et trahissent les idéaux du capitalisme. Et, et ça, euh, elle a essayé de le, de, de le montrer, hein, de l'analyser. Donc en fait, on dit qu'elle défend le capitalisme, mais elle est aussi très critique. Elle est aussi très critique à l'égard d'un certain euh, capitalisme de connivence, qui est une euh, forme de collusion entre les grandes entreprises et l'État. Et Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en train d'arriver à son paroxysme avec euh, par exemple le, le World Economic Forum, ouais, qui est ouais. vraiment le, mmh. la représentation même ça, de, de cette de collusion main dans la main ouais, ouais. De, de grands États, de très grandes entreprises qui décident de, de lois, ouais, ouais. de, de, de conception de l'avenir, où ils vont faire... Financé report, par des milliardaires C'est ça. Mmh. C'est très flippant mmh. parce qu'on on, on y est. Et mmh. puis, l, comme tu le dis, c'est les entrepreneurs, les, les, les cerveaux qui ont, qui ont abandonné. Euh, la réflexion pour juste euh, trouver un moyen d'avoir entre guillemets de l'argent facile et oui, se faciliter ça, le, les choses sans à avoir à, à créer de la richesse. Voilà. La ils n'ont plus besoin de créer de la richesse, ils n'ont plus besoin non plus d'avoir d'être en, en, en compétition et en concurrence avec d'autres. Non, ils vont aller capter des réglementations. Euh, la, la capture réglementaire, ça c'est le grand truc avec le lobbying et le copinage, et puis euh, bénéficier d'argent public, de subventions, de protection, etc. Ben, et voilà, et c'est ça euh, cette espèce de, de capitalisme politique en fait, qui n'est plus le capitalisme de laisser faire. Mmh. Mais euh, mais une, une des réponses à y hein, sur euh, la, la dérive justement de, du socialisme, enfin en tout cas la, la dérive socialiste de la pensée moderne, c'est de dire que je pense qu'elle l'identifie comme euh, ce qu'elle appelle le tribalisme ou le collectivisme. On pourra on pourra en parler si tu veux, hein, mais euh, l'idée que euh, on doit tout à la communauté, à la collectivité, et qu'on ne doit rien à soi-même. Donc là encore, c'est c'est une inversion de la loi de causalité, c'est-à-dire que euh, la, la la cause suprême de tout serait le collectif et non pas euh, soi la liberté. Et euh, le collectivisme, il est déjà présent dans l'Antiquité. Si on raccroche avec le, ce qu'on a dit au départ, la rationalité, elle est née en Grèce, chez les philosophes, et il euh, y a un débat qui est très intéressant entre Platon et Aristote sur cette question. Platon, dans la République, euh, fait toute une critique de la démocratie, qui n'est pas sans, sans intérêt, d'ailleurs, et sans, et sans euh, fondement. Hein, euh, parce qu'il a vu Socrate se faire assassiner en fait par par une démocratie, c'est-à-dire un jury populaire qui l'a condamné à mort alors que c'était l'homme le plus le plus juste. Donc euh, euh, Platon est très critique de la démocratie. Il trouve que c'est un régime qui donne la parole finalement à des gens incultes euh, qui euh, confondent le vrai avec euh, l'agréable, etc. Et et il dit la solution c'est le philosophe roi. Il faut que les rois soient philosophes, que les philosophes soient rois, c'est-à-dire qu'ils euh, puissent euh, gouverner la société parce qu'eux savent ce qui est bon, ce qui est juste et euh, sont capables donc, euh, de sagesse. Bon, euh, là-dessus, déjà, Aristote n'est pas complètement d'accord parce qu'il dit euh, oui, mais le philosophe, c'est un théoricien, c'est pas forcément quelqu'un qui est un homme d'action, c'est pas quelqu'un qui est capable de prendre des décisions rapidement, c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, etc. Donc ça pose déjà problème. Euh, D'autre part, Aristote euh, constate aussi que le peuple, certes, quand il est soumis à des sophistes, il est, dans ce cas-là, euh, très vulnérable parce qu'il se laisse entraîner. Euh, et des il... sophistes, est que est les sophistes, qu'est-ce que c'est exactement Les sophistes c'était des, des maîtres de rhétorique, c'est-à-dire des gens qui euh, apprenaient à bien parler, mais qui souvent utilisaient la parole euh, pour tromper, voilà, et qui apprenaient justement à, à tromper et à séduire, à flatter en fait les gens. Euh, à leur faire plaisir plutôt qu'à leur dire la vérité. donc quand le la, peuple c'est la démagogie, la démagogie exactement c'est ça donc quand le peuple est sous l'influence des sophistes effectivement il, il, il dérive complètement mais pour Aristote, le peuple c'est aussi des gens qui euh, travaillent qui sont au contact des réalités qui sont sur le terrain et qui donc connaissent leur intérêt et sont donc capables de le faire valoir et puis euh, platon avait, cette, euh, avait eu cette idée euh, que les philosophes pour qu'ils soient à l'abri de toute tentation de captation du pouvoir, etc., il faut qu'ils renoncent à la propriété privée. Il faut qu'ils mettent tout en commun, qu'il n'ait rien à eux, mais que tout soit commun. Comme ça, ils n'auront pas la tentation de se mettre de l'argent dans la poche, etc., ou de, de détourner le bien public. Okay. Et, là, et là, Aristote dit non, ça, euh, c'est complètement utopique, parce qu'en fait, la propriété, c'est justement ce qui fait que... On est responsable et que euh, on prend soin des choses. Si euh, les choses n'appartiennent à personne, personne ne s'en occupe. Voilà. Et donc ça, 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 tombe en ruine. Euh, il faut au contraire être propriétaire parce que la propriété a pour effet euh, d'être euh, efficace, d'être sérieux. Bah, on voit quand quelqu'un possède sa maison, il va tout faire pour que cette maison s'améliore, ne euh, soit soit rénovée, enfin et que donc euh, elle soit bien entretenue. Euh, donc aristote va défendre la propriété privée. Euh, il va donner des raisons à la fois euh, économiques et, euh, et morales, en fait, hein, tout simplement. Euh, contre platon. Et, et alors, pour revenir à Ayn Rand, en fait, pour elle, euh, le capitalisme euh, idéal, hein, euh, celui qui malheureusement n'existe pas toujours dans la réalité, mais le capitalisme idéal, celui vers lequel il faudrait tendre, c'est un capitalisme de propriétaire. Hein, c'est-à-dire où les gens sont propriétaires de leurs biens. D'abord, ils sont propriétaires d'eux-mêmes. Ça, c'est la base morale. Hein, c'est, on est d'abord propriétaire de soi. Euh, et puis, euh, personne n'agresse personne. C'est-à-dire, c'est le principe de non. Euh, de non-agression, euh, c'est le code moral en fait hein, du capitalisme, c'est-à-dire je, je, ne, je ne peux obtenir quelque chose que par un échange volontaire et non pas par la force. Et, euh, et, et donc finalement, euh, c'est un capitalisme entrepreneurial euh, qu et qui est bien séparé de l'État, où l'État ne doit pas effectivement euh, chercher à contrôler ou euh, à perturber et ça euh, elle l'a repris à ludwig von mises dont elle était vraiment disciple sur le plan économique elle s'est toujours reconnue dans son, dans son œuvre, euh, parce que mises est venu aux états-unis après la seconde guerre mondiale ou pendant la seconde guerre mondiale et il a commencé donc à, à faire des conférences des séminaires donc, elle a vraiment pris connaissance. Il, est parti de il était alors, il a été, euh, il a quitté l'Autriche pour la Suisse dans un premier temps. Puis, de la Suisse, il est parti euh, aux États-Unis. Et euh, dans tous ses livres, elle dit que pour ce qui est de l'économie, elle s'en remet complètement à, à Mises. Et Mises, lui, bon, euh, évidemment, c'est l'école autrichienne, donc c'est Karl Menger, le fondateur au XIXe siècle. Mais Karl Menger, c'était un disciple d'Aristote aussi. C'était un philosophe également. Donc, on, on, retrouve, on retrouve tout ça. Et puis, euh, Mises a fait connaître Bastia aux États-Unis. C'est lui qui en a parlé, c'est lui qui a commencé à, à diffuser en fait, la pensée de Frédéric Bastia. Et, euh, et Bastia, c'est un petit peu l'incarnation euh, le, le, de cette pensée du laisser-faire euh, qui est née en France euh, au, au XVIIe siècle. Donc, si tu veux, on peut, on peut en parler. Mmh, non, carrément. Allons-y. Euh... Parce que moi j'avais découvert Bastia euh, avec le texte La Loi. Ouais. Et euh, si je dis pas de bêtises, il avait aussi écrit un, un texte, euh, une sorte de, de caricature, un court essai. Un pamphlet. Un pamphlet euh, ouais. sur les... Euh, les, les les producteurs de bougies ah oui et que la pétition des fabricants de chandelles ça, qui était ouais. incroyable ouais, ouais, où ouais. euh, tu avais euh, bah, les créateurs de, de chandeliers euh, qui mm. qui se révoltaient de la concurrence euh, du déloyale du soleil mm. envers leur industrie et demandaient à l'État de de forcer les gens à, à fermer leurs stores à se protéger de la lumière pour ouais. qu'eux puissent mettre en place leur industrie et c'était tellement frappant de mm. comme tu dis de de démagogie de, et de sophisme euh, pur et dur. Ouais, ouais. Oui, alors tu, tu cites effectivement ce, ce petit pamphlet qui est, qui est extraordinaire parce qu'il est très satirique et très amusant, mmh. euh, qui vise le protectionnisme, c'est-à-dire qui... Euh, qui vise finalement le, le comportement de certains industriels, de certains euh, entrepreneurs euh, qui euh, cherchent euh, à empêcher la concurrence. Donc, euh, mais euh, il a écrit aussi une série de pamphlets sous le titre Les sophismes économiques. Mmh. Voilà, sophisme économique parce que c'est encore une allusion à, à l'antiquité. Hein, on l'a dit, euh, on, a, on en parlait tout à l'heure. Euh, les sophistes sont des gens qui euh, vont faire passer un raisonnement faux, euh, illogique. Pour une vérité. Et en économie, il y a beaucoup de ces sophismes que Bastia va dénoncer les uns après les autres en montrant euh, à quel point ces euh, raisonnements, en fait, euh, contredisent la réalité, contredisent les lois même de la réalité, de la, de la rationalité. Alors pour ça, euh, vraiment, Bastia, est, il est extrêmement formateur aussi. Hein. Euh, moi, je, je dirais que pour se former intellectuellement, Aristote, c'est la base. Effectivement, ensuite, il faut passer par Bastia, puis par Misès et euh, ensuite les euh, je les, les, les contemporains, enfin les, les ceux qui sont les plus proches euh, comme Murray Rosbard ou Ayn Rand. Et là, on a quelque chose, je dirais de d'assez complet pour affronter à la fois les questions philosophiques, idéologiques, politiques, économiques, enfin il y a tout quoi. Mmh. C'est c'est une mine de une mine d'or. Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Frédéric Bastiat Est-ce qu'on l'a, on l'a totalement oublié Est-ce qu'en France, on, j'en ai jamais entendu parler à l'école oui, bah, Moi non plus, <laughs> moi non plus. Malheureusement. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui explique euh... le fait que, moi, c'est aux États-Unis. Mais que... bah oui, cette oui. manière. Euh, j'en ai entendu parler pour la première fois aux États-Unis et euh, dans, dans une université qui s'appelle George Mason University euh, en Virginie, mais. Euh, on m'a dit, bah, tu es français, tu connais Frédéric Bastien Non, euh, je débarquais complètement, c'est qui euh, bon. Mais euh, en fait, euh, Frédéric Bastien, il a eu un grand succès en France jusqu'à la fin du 19e siècle, où vraiment il était présent. Bon, il est mort en 1850. Hein, mais donc, euh, il est mort jeune, en fait. Euh, il a été atteint un, soit une tuberculose, soit un cancer de la gorge, on ne sait pas exactement. Mais euh, pendant toute la seconde moitié du XIXe du, du siècle, il est encore très présent dans les manuels, dans les cours d'université. Tous les grands penseurs s'y réfèrent, y compris Marx. Alors évidemment, Marx, il le, bon, il le traite un peu euh, comme euh, comme un minable. Hein. Il considère que euh, Bastia, c'est quelqu'un qui, qui est un utopiste, etc. Bon, mais euh, quelqu'un comme par exemple Vilfredo Pareto qui est un, un économiste euh, important, euh, admirait beaucoup Bastia, et puis jusqu'à même, euh, alors là c'est au XXe siècle, mais euh, Schumpeter, qui est un économiste euh, qui est d'Autriche à l'origine, mais qui a enseigné aux, aux États-Unis. Bon bref, euh, mais par contre... Euh, c'est vrai qu'en France, c'est euh, le marxisme et le socialisme qui ont pris euh, le dessus et qui ont complètement étouffé tout le reste. Hein. C'est-à-dire que toute cette école française qui, qui, qui démarre au XVIIe siècle, l'école française d'économie sous Louis XIV, euh, comme une, euh, une, 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 une lutte contre le mercantilisme, c'est-à-dire contre la doctrine de Colbert, qui disait l'État doit être à la fois le banquier, le nourricier, euh, celui qui euh, qui, qui s'occupe de tout. Donc ça, ça existait déjà. Et ben, les économistes français euh, ont commencé. D'abord, c'était des philosophes. C'est Ça qui est très amusant, c'est que euh, à l'origine, ils étaient d'abord philosophes, puis ils se sont intéressés à l'économie parce qu'ils ont compris qu'en fait, c'était euh, l'économie, c'était fondamental pour juger une politique. Il fallait savoir quels étaient les coûts euh, et qu'il fallait comprendre les lois. De la production, de la consommation. Donc, ils se sont intéressés à l'économie et ils ont, ils se sont opposés frontalement au mercantilisme au Colbertisme. Euh, mais, euh, mais toute cette école qui s'est qui s'est développée, elle a été euh, très rapidement, enfin très rapidement, disons à partir donc du 19e siècle, étouffée par le socialisme qui a, euh, qui a pris le devant de la scène et qui s'est introduit dans les universités. Euh, dans les écoles, dans les manuels scolaires, etc. Donc, ce qui fait qu'au XXe siècle, on trouve plus, on trouve plus Frédéric Bastiat. Il, il a disparu du, euh, du paysage. Euh, sauf aux États-Unis, où justement, il a été euh, remis en lumière par Ludwig von Mises. Mmh. Et à partir des années 50, ils ont traduit la loi, qui a été vendue, euh, qui s'est très bien vendue, qui a été vraiment un succès. Euh, voilà et puis euh... et en France euh, moi quand j'ai commencé à m'intéresser à Bastia on pouvait même pas quasiment pas l'acheter quoi on pouvait même pas trouver un bouquin sur euh, en librairie ou sur Amazon de, de Bastia quoi. ah ouais ouais <laughs> et tu du coup as travaillé pour réhabiliter alors je ne suis pas le, le seul il y a aussi le cercle Frédéric Bastia dans les Landes qui travaille justement depuis pas mal d'années à essayer de, de faire connaître Bastia. Donc eux ont, ont fait euh, ont réussi à publier les œuvres complètes de Frédéric Bastia, mais dans une édition très confidentielle, qui est euh, les éditions Charles Coquelin. donc c'est un truc qui est très peu connu. Euh, et puis avec l'Institut Copé, nous, on a fait une édition aussi des œuvres complètes. Mmh. Euh, qu'on qu vend euh, sur euh, sur le site des éditions, mais après il y a de plus en plus maintenant de petits pamphlets qui sont réédités euh, en, en version papier euh, en tiré à part quoi. Ok. Et il euh, y, a, y a un point qui est qui est assez important dans, dans la pensée de de Heinrand pour revenir ouais. sur elle. Ouais. Euh, <coughs> elle. Elle parle de sa théo de, de de sa ouais. philosophie euh, comme étant la une, une sorte d'explication logique de pourquoi l'égoïsme est une vertu et non ah euh, oui. la, la plus grande des ah oui, le oui. plus grand des défauts de l'humain et, euh, et c'est quelque chose qui est vachement dur aujourd'hui mm -hmm. on a tellement intégré l'altruisme comme étant la plus belle des vertus mm -hmm. de, de l'humain de de, de de ce le fait de se sacrifier mmh. pour l'autre, d'oublier son intérêt personnel pour celui l'autre. Mmh. Et en, en, quoi, en, en quoi, tu peux faire une société en basant euh, tes décisions d'abord sur ton intérêt personnel plus que sur euh, le bien commun. Mmh. On a on a l'impression aujourd'hui, euh, je, je sais pas, euh, c'est très euh, insidieux comment ça a été fait. On a du mal à mettre un doigt sur qui nous a mis ça dans la tête. Mais, euh, mais 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 qu'est-ce qui explique le fait que euh, ça soit si bien vu de, de se sacrifier en permanence mmh. et pourquoi ne pas le faire euh, ouais. est, est une bonne chose alors c'est une bonne question alors déjà il faut quand même bien définir ce qu'elle entend par euh, altruisme et égoïsme parce que elle n'emploie pas le sens commun le sens mmh. courant elle parle de euh, d'égoïsme rationnel et comme tu l'as dit de vertu d'égoïsme et donc en fait elle bon d'abord c'est très paradoxal bien sûr c'est un peu provocateur elle aime bien aussi provoquer mais elle met un sens euh, bien particulier qui correspond pas au sens euh, classique habituel euh, égoïsme rationnel ça veut dire que bon égoïsme ça veut dire que chacun cherche son intérêt ça elle peut tout à fait l'admettre euh, comme définition ça lui ça lui conviendrait mais euh, quand on cherche son intérêt il peut y avoir deux façons de le faire, soit une façon rationnelle, soit une façon irrationnelle. Et elle, elle opte justement et elle défend l'égoïsme rationnel. C'est-à-dire que euh, je ne peux bien juger de mon intérêt que si je le comprends de façon rationnelle et non pas euh, à partir de mes euh, caprices, de mes émotions. Euh, ou à partir de, du conformisme hein, et donc de, de l'opinion dominante. Euh, à ce moment là, ça veut dire que euh, euh, en fond, c'est un petit peu l'équivalent de la liberté, on en parlait tout à l'heure. Être libre, c'est juger par soi même, et c'est donc être capable de se forger un jugement euh, indépendant fondé sur les lois de la réalité. Ben c'est pareil. Pour elle, l'égoïsme rationnel, c'est ça. C'est-à-dire, je cherche mon intérêt, mais mon intérêt, c'est pas euh, de faire n'importe quoi. C'est euh, de ce, 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 cet intérêt doit être fondé sur la réalité, sur la réalité objective. Donc, quand on parle d'égoïsme, dans, égo, dans égoïsme, il y a égo. L'égo, c'est le c'est le soi, c'est le moi, et euh, le véritable égo pour elle, c'est la raison. Ce n'est pas la sensibilité, euh, ce n'est pas l'instinct, c'est la raison. D'ailleurs, elle, elle dit euh, euh, que dans la philosophie, il euh, y, y a différents types de philosophes. Il y a par exemple Nietzsche, euh, qui pourrait, au fond, défendre un égoïsme, mais elle dit que c'est un égoïsme irrationnel. C'est-à-dire que Nietzsche dit constamment qu'il faut chercher son propre intérêt, sa conservation. Il dit que la force motrice, c'est euh, la conservation de soi. Euh, mais euh, c'est une sorte d'instinct, c'est une sorte d'instinct naturel, et il faut suivre son instinct pour Nietzsche. Donc c'est pas exactement ce que dit Ayn Rand, et elle, elle, donc elle, elle le rejette. Et d'autre part, beaucoup de gens, alors là c'est l'altruisme qu'elle qu critique. Beaucoup de gens pensent qu'en fait il faut euh, suivre l'intérêt collectif et non pas son propre intérêt. Et c'est l'excès opposé. Donc on a l'égoïsme irrationnel d'un côté. Et on a euh, l'altruisme sacrificiel de l'autre. Et elle, elle cherche, en fait, la voie intermédiaire, qui n'est ni l'une ni l'autre. Et donc, l'altruisme sacrificiel, donc, c'est pas simplement penser aux autres ou euh, se sacrifier pour les autres. C'est euh, être contraint de le faire. C'est-à-dire, c'est euh, euh, ce, penser euh, sa vie comme une une obligation une de se soumettre entièrement à l'intérêt des autres et de sacrifier son propre intérêt et en fait l'altruisme sacrificiel c'est tout simplement le collectivisme c'est de, de dire que le, le la collectivité la communauté connaît mieux mon intérêt que moi même bon mais euh, on en a parlé hein, c'est la négation même de, de la liberté et donc de l'ego euh, et donc c'est la négation de la rationalité finalement euh, maintenant, il faut faire attention à pas faire de contresens. Ayn Rand n'est pas contre la communauté. D'ailleurs, elle-même a créé une communauté. Hein, L'objectivisme, en fait, c'était des, des gens qui se retrouvaient, se reconnaissaient dans cette philosophie, se réunissaient, euh, travaillaient ensemble, etc. Donc, elle a été à l'origine, en fait, d'une communauté. Et elle n'est absolument pas contre cette idée. Euh, elle est même fondamentale. On ne peut pas être heureux sans les autres. On ne peut pas être heureux tout seul. Mais en revanche, ce qu'elle qu nous dit, c'est que la communauté ne doit jamais exiger le sacrifice de soi, de son intérêt. Et donc, quand tu vas te sacrifier pour quelqu'un, il y a deux cas possibles. Soit c'est parce que tu estimes que euh, ça correspond à tes valeurs. C'est-à-dire que tu, tu dois le faire parce que c'est euh, l'expression même de ce que tu euh, considères comme le bien, comme le juste. Je vais donner un exemple. Euh, il y a eu ce, ce, ce fait d'hiver euh, dans le Thalys, donc le, 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 le TGV qui va de Bruxelles à Paris. Il y a eu un terroriste, euh, il y a quelques années, euh, qui s'est pointé là-dedans, euh, avec une calache, un hein, je crois. Et il y a trois jeunes Américains qui, qui étaient des, des anciens soldats, je crois. Euh, qui étaient dans, dans le train et qui se sont jetés sur lui qui l'ont maîtrisé qui l'ont empêché de, de faire un carnage ah, il y a eu un film là-dessus ouais, il y a eu un film de, 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 de Clint Eastwood voilà. et, euh, et je crois qu'il y en a un qui a été blessé gravement et ils ont risqué leur vie donc, en fait, pourquoi ils ont fait ça Ils auraient pu tout simplement, euh, bon, euh, euh, se protéger et puis euh, laisser euh, euh, et, et laisser passer. Mais ils l'ont fait parce qu'ils estimaient que euh, c'était dans leur intérêt finalement de d'exprimer leurs propres valeurs et euh, de euh, comment dire de, de c'était, gérer la défense même de leur, de leur valeur et de leur, de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Voilà, ils auraient, euh, s'ils n'avaient rien fait, euh, ils, se, ils seraient passés à côté de ce qu'ils qu considèrent comme le sens de la vie. C'est-à-dire, le sens de la vie, c'est on doit, euh, on doit tout faire pour empêcher, par exemple, la violence euh, contre des innocents. Voilà, ce qui est le, finalement un peu l'idéal du soldat. Hein. Bon, et euh, voilà. Donc là, on peut tout à fait mettre en danger sa vie, même sacrifier sa vie au besoin. Ou risquer de la sacrifier si on considère que c'est l'expression même de nos valeurs. Par contre, si on nous oblige à le faire, si on nous contraint à le faire, et si on prend la décision à notre place, c'est là qu'on est euh, esclave et, euh, et que c'est pas tolérable. Et maintenant, le dernier point que je voulais, euh, je voulais euh, développer là-dessus, c'est qu'en fait, dans tout ce qu'on fait, on cherche toujours son intérêt, même si on le nie, même si on dit que c'est pas vrai. Euh, je pense que c'est il y a, y a une sorte d'hypocrisie. À prétendre que les gens euh, n'agissent pas par intérêt, on agit toujours par intérêt. La question est de savoir est ce que on cherche notre intérêt rationnel ou est ce qu'on cherche euh, notre intérêt euh, purement euh, irrationnel? C'est à dire euh, il, y a, il y a deux façons de chercher son intérêt et Ayn Rand distingue bien les deux. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ce qu'elle appelle l'égoïsme en fait c'est pas je me sers et j'écrase les autres. Euh, je euh, éventuellement je fais usage de la violence. Non, pour elle, l'égoïsme rationnel euh, obéit à un code, un code moral. <coughs> et euh, et ce code moral, il faut le définir en fonction du, de, de 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 la nature humaine et, et de la réalité objective. Mmh. Ouais. Parce que on a on a l'impression honnêtement... Quand on suit son raisonnement, qu'on pourrait tomber dans des situations euh, très vite où euh, voilà il y a, y, a, y a plus vraiment d'état euh, providence qui va aider euh, la veuve et l'orphelin, le la personne qui, qui souffre d'handicap ou ce genre de choses et que euh, de la façon dont on est on est on est conditionné, on est branché, on pense la vie aujourd'hui, hein, on pense que personne ne viendrait en aide à ces personnes, que on les laisserait mourir, que euh, Personne ne, mmh. ne viendrait tendre la main à quelqu'un qui est qui est, qui est en peine. Et, et toi, tu, tu, tu penses par rapport à son idéologie euh, que rationnellement l'individu aurait lui un intérêt absolument. dans mmh. le fait de euh, absolument d'aider euh, mmh. je sais pas quelqu'un qui se trouve mmh. dans la rue parce qu'il a eu un problème, il a plus de famille et puis il a plus de moyens de de s'en mmh. sortir. Oui. Ben, en fait, euh, je pense que beaucoup de, de gens <coughs> cultivent un certain nombre de, euh, de valeurs <coughs> qui sont pas des, des valeurs de, de comment dire, de sacrifice en soi ou de, 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 dé, de dévouement, euh, mais l'idée, par exemple, que il euh, y a des personnes plus vulnérables, des personnes plus fragiles, et que ces personnes euh, ont davantage besoin que d'autres euh, d'être euh, aidés ou euh, d'être euh, défendus et donc euh, ça c'est absolument naturel euh, par exemple les parents avec leurs enfants les enfants sont par définition des êtres fragiles et vulnérables et donc il y a chez les parents une responsabilité euh, à cet égard donc la notion de responsabilité je suis responsable font c'est ça l'idée c'est je suis responsable de moi-même d'abord et avant tout bien sûr mais aussi des personnes qui dépendent de moi qui sont sous ma dépendance d'une façon ou d'une autre euh, et donc euh, donc cette, cette idée elle est universelle c'est une idée qui est, qui, est, qui, est, qui est profondément juste et donc on n'a pas besoin de l'État pour ça euh, de même que il y a des parents qui ont un enfant handicapé et qui voient dans cet enfant euh, un être humain un individu qui a de la valeur euh, qui a besoin d'être aimé, qui a besoin d'être protégé, et donc les parents vont, vont tout faire pour euh, donner à cet enfant la meilleure vie possible, avec un coût, évidemment, c'est un coût qui est très lourd à porter, euh, euh, moral, psychologique, financier, etc. Mais euh, les, les, les gens n'ont pas besoin que l'État s'en occupe, Je veux dire, ils, ils veulent le faire eux-mêmes. Voilà. Alors, bien sûr, il y a aussi des gens qui vont euh, dire... Bah, alors C'est là où, justement, égoïsme rationnel ou égoïsme irrationnel Ce qui est irrationnel, c'est de se débarrasser du problème. Dire, ah, bah, bah, Mais, euh, en fond, pour, euh, pour Ayn Rand, euh, ce qui est important, c'est vraiment de cultiver des valeurs, des vertus. Hein, euh, et notamment, parmi les vertus, il y a l'estime de soi. Une mmh. des grandes vertus, c'est l'estime de soi. Et je ne peux m'estimer moi-même... Que si j'agis en conformité avec mes valeurs. Voilà. Donc euh, euh, c'est pour ça, ça, re, ça revient à, à, à ce qu'on disait sur le Talis et ces trois jeunes là. Ils ont agi en conformité avec leurs valeurs, en cohérence en fait avec ce qu'ils croyaient être bon et, et, et juste. Euh, ça aussi, c'est la loi de causalité, c'est-à-dire c'est que si j'ai des valeurs, ce sont des causes et l'effet, c'est que je me comporte et j'agis conformément à ces valeurs et non pas n'importe comment si je suis la rationalité. Voilà, c'est ça. Un raisonnement logique. Exactement. Et comment tu, tu expliques que si c'est logique, si c'est censé être le comportement qui nous enrichit, et, et donc rationnellement, on devrait tendre tout le temps vers ça, euh, pourquoi on n'y est pas Alors, et, euh, <laughs> et elle parle, bah, dans le livre que tu m'as conseillé, euh, une philosophie pour vivre sur la Terre, mm. que ça, ça serait à l'origine, euh, dans, dans l'individu, une peur de l'indépendance, ouais. euh, qui, qui ferait qu'il aurait peur de, de, de la rationalité d'utiliser sa, sa concentration pour, pour, pour voir le réel, mm. et qu'il voudrait juste en fait déléguer en permanence ouais. son, oui, son droit de vie. <laughs> Alors, ça, c'est très juste, hein. il y a, je crois que c'est une, une première raison, il y en a une deuxième que je vais évoquer après. La première raison, c'est que, effectivement, la liberté peut être perçue par beaucoup comme un fardeau. Comme quelque chose de lourd à porter. Parce que, qui dit liberté dit que je suis le seul à prendre mes décisions. Personne ne les prend à ma place. Euh, bien sûr, je peux me faire conseiller, je peux écouter les autres, etc. Mais en dernier ressort, c'est moi qui décide et c'est moi qui assume les conséquences. Parce que c'est mon choix. Donc, cette notion de liberté qui va avec la responsabilité, les gens n'en veulent pas. Ils veulent bien la liberté, mais pas la responsabilité, en fait. C'est plutôt ça. Hein. Mmh. Ils veulent pas payer les coûts euh, et les conséquences de, de leur choix. Euh, donc, il y, y a ce premier problème. Le deuxième problème, je pense, d'où la demande d'État. Hein. Si les gens veulent de l'État, veulent de la protection, de, euh, de l'assistanat, etc., c'est pour ça, justement. C'est parce qu'ils veulent pas avoir à euh, prendre des risques euh, ou à payer les conséquences de leurs actions. La, la deuxième raison, c'est euh, Ayn Rand a, écrit un, enfin, elle a prononcé un discours euh, qui s'appelle, en français, « La philosophie, pourquoi en a-t-on besoin euh, ?». C'est le dernier euh, texte du, du bouquin, euh, qui est un, un recueil de, de textes courts d'Ayn Rand. Et, voilà. Et là, l'explication fondamentale, elle est là, c'est que euh, les gens, euh, souvent, ne font pas l'effort de se former intellectuellement, et euh, de faire le ménage en fait dans leur dans leur tête. Elle fait une, une comparaison, une analogie entre le cerveau et un disque dur. Euh, un disque dur, il y a toutes sortes de de, de trucs qui vont dedans, euh, y compris des virus, euh, etc. Et à un moment donné, ça devient euh, ingérable parce que tout ralentit, c'est complètement engorgé, euh, pollué, etc. Bon. Eh ben, C'est un peu ça, notre cerveau. C'est-à-dire qu'on laisse entrer toutes sortes de choses. On est des éponges depuis notre enfance, on reçoit de nos parents, de la société, de l'école, toutes sortes de trucs. Et ça fait un espèce de machin totalement embrouillé dans notre tête. Et si on vit avec ça, on est sûr de faire des mauvais choix, on est sûr de se planter, on est sûr de, de souffrir, de, etc. Et donc, et comme on sait, ne on sait pas quoi faire, ou qu'on ne veut pas faire l'effort justement de, de, de faire le nettoyage de notre esprit, ben on s'en remet à l'état. Mais ce qu'elle dit, c'est que justement la philosophie, c'est euh, la discipline qui est très exigeante, hein, qui, qui est difficile, parce que ça demande un effort euh, de se former, de lire, euh, d'apprendre, etc. Mais c'est ça qui peut nous aider à mettre de l'ordre dans notre pensée et à retrouver le chemin de la lucidité, du bon sens et de la sagesse et du réel. Hmm. Donc là, t'as as, as parlé des deux ouais. ouais, 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 ouais okay, okay. La première, c'est la peur de la responsabilité okay. et le rejet. Et la deuxième, c'est. Euh, c'est la flemmardise. Euh, euh, c'est la paresse. La paresse, c'est peut-être la grande cause de, de tous nos maux. <laughs> de... Oui, oui, oui. Beaucoup. C'est ouais. terrible. Ok. Ouais. Et comment, euh, comment selon toi et selon Ayn Rand, c'est quel est le l'antidote, s'il y en a un Est-ce que, est-ce qu'au final, on est, on est voué à à être prisonnier de de la majorité des, des humains qui sont paresseux qui en remettront toujours euh, à une institution supérieure l'antidote c'est la grève. C'est la, <laughs> la grève en fait, okay. elle, elle dit euh, elle dit souvent que euh, il faut euh, rompre avec l'état. Alors pas totalement. Elle ne va pas jusqu'à dire qu'il faudrait vivre sans État ou qu'on pourrait abolir l'État complètement. Ça, c'est Murray hein qui va le, le développer, qui va le, qui va le radicaliser. Mais en tout cas, elle dit qu'il faut, il faut absolument séparer l'État de tout le reste. Alors, pour elle, les seules fonctions que l'État doit euh, assumer, c'est les fonctions régaliennes c'est la protection de euh, de la personne et des biens, donc la sécurité. Bon. maintenir la propriété privée, oui, c'est ça, et par la force. donc l'état doit détenir le monopole de la force. Euh, donc ça, elle y tient mordicus, et elle refuse de passer, de, de, de faire le pas vers l'idée que non, même même ça, on pourrait le mettre en concurrence et euh, on pourrait le, le privatiser. ce que va faire murray rosbard? Donc, mais peu importe, parce que euh, elle, je dirais, elle, elle est quand même dans l'idée qu'il faut tendre vers le moins d'État possible, et c'est ça qui est intéressant. Et Bastia, c'était pareil, c'était la même chose. Hein. Il pensait aussi que euh, pour ce qui est de la force publique, euh, pour ce qui est de la, de la protection, le fait de mettre en commun nos ressources, c'est plus avantageux que si chacun se défend et que s'il y a une concurrence. Donc là-dessus. On voit c'est polémique, c'est controversé, mais euh, en tout cas pour Ayn Rand, il faut faire la grève, c'est-à-dire qu'il faut se désolidariser complètement de l'État pour tout, bon, sauf peut-être effectivement la protection, la sécurité, mais pour tout le reste, euh, il faut absolument être indifférent à l'État, il faut l'ignorer, il faut le, euh, le, le, le rejeter de nos vies quoi. Okay. Elle fait cet appel aux personnes euh, qui qui ont raisonné, qui ont décidé de, oui. de ne pas être paresseux et qui veulent que, mmh. conserver le, le, le fruit de leur travail en fait. Et les ça. gens, les gens qui, qui ressentent euh, mmh. le, le, le poids de l'État, elle, elle, elle leur fait un appel à se désolidariser, déso oui. comme le oui. fait euh, John Galt. John Galt, Ouais. exactement et, ouais, euh, ouais, ouais, tout à fait. Mais, mais donc la, la alors, ça peut passer par par des choses très simples. Hein. C'est pas forcément euh, dire ne payez pas vos impôts, parce que ça, ce serait dangereux et ce serait risqué de, de faire ça, parce que. Un titre individuel. Alors oui, oui. Alors bien sûr, on, on peut on peut s'exiler fiscalement euh, quand on a les moyens. Mais quand on n'a pas les moyens, euh, ben bah, il y a d'autres solutions. Mais justement, le fait même de euh, de s'intéresser à Bitcoin, c'est une forme, c'est l'exil fiscal du pauvre en fait. Bitcoin, <laughs> c'est l'exil fiscal du pauvre. C'est-à-dire que euh, au lieu euh, de dépenser son argent euh, et, et, sa, et sa monnaie fiat, on convertit ça en Bitcoin et on le stocke et, et c'est une réserve de valeur pour le futur. Donc c'est extraordinaire ça. Mais euh, Ayn rand ne l'a pas connue, mais je pense que si elle était là aujourd'hui, elle, elle dirait que c'est effectivement une clé. C'est une solution. C'est une façon de séparer euh, sa vie de l'État. Et euh, et c'est ça qu'il faut, voilà, c'est ça la clé. Mmh. Mais c'est 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 une solution dans le sens où euh, s'ils décident d'imprimer davantage, ils vont pas diluer mon mon pouvoir d'achat. Oui, parce que je l'aurai euh, okay. stocké en Bitcoin. Et qu'en même temps, euh, ça va peut-être accélérer l'inflation parce qu'il y aura plus de monnaie. Euh, ouais. Euh, qui sera disponible parce qu'elle sera plus conservée sur mon compte parce que moi j'aurais converti en Bitcoin ouais. donc ça ça accélère la la mort de cet État ouais. corrompu euh, mais si à la fois à la fin euh, je décide quand même de d'accepter euh, la présence de l'État tel qu'il est et que dans dans un dernier mouvement euh, un, un essai de survie l'État me demande de, de lui donner une énorme partie de, de mes réserves en Bitcoin qui serait en fait sous forme d'une taxe qu'est-ce que qu'est-ce que je devrais faire dans dans ces cas-là parce que j'aurais en fait Alors, fait tout le travail de ma vie pour oui, le oui. comme je dit essayer de m'en défaire et à la fin un peu de la même manière que mmh. aux États-Unis avec le la, la loi qui avait sur le fait d'aller chercher l'or de tous mmh, les particuliers ouais, ouais, ouais. euh, c'est ce qui, oui. ce qu'on qu imagine en fait en tant de Bitcoin Alors, clairement ils vont vouloir les récupérer tu vois, Bitcoin a été une innovation technologique hein, au départ. Il y a eu un, un inventeur euh, qui aurait pu être un héros randien, c'est Satoshi Nakamoto. Euh... Ben, je pense que quand on se retrouvera dans cette impasse, c'est-à-dire on sera confronté effectivement à, à, la, à la rapacité absolue de l'État qui voudra mettre la main sur nos Bitcoins, il faudra trouver un nouveau Sat Satoshi Nakamoto ou quelqu'un qui mettra au point, c'est d'ailleurs un petit peu déjà dans les tuyaux, hein, il y a déjà beaucoup de gens qui cherchent un moyen justement de euh, de se rendre totalement invisible. C'est vrai que le problème aujourd'hui avec Bitcoin, c'est que les transactions sont très facilement traçables. Enfin facilement, il faut il faut, faut des moyens quand même. Hein. C'est pas. Mais disons que les États peuvent, euh, s'ils s'ils ont décidé de cibler quelqu'un, ils peuvent mettre d'énormes moyens pour arriver à, euh, à à saisir tous ces tous ces Bitcoins. Mais euh, je pense que les, les solutions viendront de la technologie et euh, elles permettent déjà euh, d'être un peu silencieux ou en tout cas d'être sous les radars et puis euh, pro progressivement je pense que ça, ces outils vont se diffuser et tout le monde pourra y avoir accès okay. mais bon voilà là encore c'est une hypothèse hein, il faut il faudra voir euh, il faudra voir et puis euh, il faut du temps hein, tout ça prend du temps peut-être un, un dernier point oui euh, j'ai pensé encore hier. Euh, c'est le toute la thèse qu'il y a dans. Est-ce que tu as lu le livre de Sovereign Individual Oui, oui, ouais. oui, bien sûr. Ouais. Et euh, j'ai l'impression que c'est un peu aussi toute la, la thèse qui est derrière ce livre. C'est comment c'est euh, c'est d'expliquer l'évolution de l'humanité, et de nos sociétés mmh. sous le prisme de l'économie de la violence, sur comment on est capable d'imposer à l'individu de de, de se soumettre au groupe au final ouais. euh, et dans avec ce prisme on se dit que vraiment Bitcoin ça devient une, euh, une sacrée solution mm. pour changer cette économie de la violence et pour euh, se rendre euh, inattaquable d'une certaine manière et donc de, de changer euh, profondément la façon dont mm. on, on va créer no, nos civilisations parce que si euh, ce on légitimise souvent mmh. la, la place de l'État parce que c'est sa capacité à nous protéger de d'autres États, de, de, de mafias, de, de criminels. Mais si demain, euh, moi, je suis capable seulement, euh, avec un bout de papier ou une clé USB, et puis peut-être le, le, d'avoir sauvegardé mes mots dans ma tête, mmh. de me protéger de n'importe quelle attaque qui puisse prendre la majorité de, mmh. de mes richesses. Ça change totalement en fait la place de l'État et, mmh. et pourquoi euh, elle était légitime mmh. mmh. Qu'est-ce ouais, que tu qu que en penses Non, bah, tu as très bien ré résumé la situation. Euh, euh, c'est ça qui est extraordinaire justement aujourd'hui, c'est que on, on... et peut-être ce qui a manqué à Ayn Rand, c'est de, de, de comprendre que euh, même cette fonction ces fonctions régaliennes de l'État, la justice, euh, la, euh, la sécurité intérieur et la sécurité extérieure. Même ça, en fait, euh, ça peut être confié au marché. Euh, alors, par le marché, on n'entend on pas ici les, le, le big business, hein, les, les grosses entreprises comme euh, Microsoft, euh, Apple, euh, Google, mais on, on parle effectivement des entrepreneurs et des, euh, des des individus qui, tout simplement, qui sont les créateurs, des créateurs, des inventeurs. Et je pense que c'est ça effectivement qui euh, qui peut changer complètement la donne. Donc il faut pas attendre euh, de structure, de méga structure, la solution. Ça, euh, ces méga structures en fait, euh, leur leur intérêt, euh, c'est que rien rien ne change profondément et euh, elles sont toujours euh, prêtes à, à nous trahir, à trahir leurs clients pour euh, satisfaire l'État. Mais par contre. Euh, dans l'histoire, on se rend compte que les, les grands changements ont eu lieu parce que des, des types sortis de nulle part ont proposé des choses révolutionnaires. Euh, L'imprimerie, hein, ça, ça a été ça, et les exemples sont nombreux. Euh, c'est au fond l'ordre spontané. Hein, C'est-à-dire qu'on revient à un concept ici de, de l'école autrichienne. L'ordre spontané, c'est l'idée que euh, les, les, grandes, les grands changements proviennent des individus. Parce qu'au fond, seuls les individus agissent. Euh, donc euh, dire que la société agit, ça n'a pas de sens. La société, c'est pas une personne, c'est pas quelqu'un qui pense. Ce sont les individus qui composent la société et ce sont les individus qui provoquent les changements fondamentaux. Ce qu'on appelle l'individualisme méthodologique. Euh, et ça, on le trouve très bien théorisé dans l'école autrichienne et c'était également présent. Dans euh, l'école française, justement, dont on parlait, et notamment Frédéric Bastiat. Hmm. Ok, euh, je pense que on a déjà euh, parcouru pas mal de choses ouais. aujourd'hui. Est-ce euh, que tu as, as des ressources à conseiller Tu nous as parlé de, de Aristote au début que c'était une bonne porte d'entrée. Est-ce que c'est pas trop euh, trop violent euh, moi, moi j'ai même pas encore vraiment Alors, de, ouais. de, de texte d'Aristote. Bon, il y a, y a un livre d'Aristote que je conseille, qui peut vraiment être accessible, c'est l'éthique à Nicomac. Okay. Voilà, donc c'est un, un livre d'éthique qui est dédié à son fils Nicomac euh, et qui est fond euh, une réflexion sur le, le bonheur, comment comment être heureux, et euh, qui contient beaucoup de choses justement sur euh, sur la vertu, sur la rationalité. Et c'est intéressant parce que c'est ce qu'on va retrouver chez Ayn Rand. C'est ce qu'elle va essayer de, de moderniser, d'actualiser, en fait, hein, mmh. dans, dans ses écrits. Donc, par exemple, chez Ayn Rand, euh, on a parlé d'un livre qui est Une philosophie pour vivre sur la terre, qui est un recueil de textes, d'articles, en fait. Et ça, c'est très bien comme, euh, comme introduction, je pense. pour euh, mmh. Mais ensuite, il y a euh, La vertu d'égoïsme, euh, qui est aussi un recueil de, de, de textes, mais centré vraiment sur l'éthique. Les, sur les et bien sûr, euh, Atlas Shrugged, enfin, La grève, qu'il faut lire absolument. Donc euh, moi je pense que ça c'est pas mal pour ceux qui, qui veulent approfondir. Et comme on disait, alors Mises Ludwig von Mises, puisque c'est la référence d'Ainrand, il euh, y a par exemple un livre qu'on trouve en ligne, qui est vraiment euh, euh, sur un site, c'est euh, Politique économique, qui est une série de six conférences qu'il a données, je crois, euh, à, à, en Argentine. Mm. Et euh, ça c'est sur le capitalisme, le socialisme, l'interventionnisme, euh, la philosophie politique. C'est très complet et c'est des conférences, donc c'est un discours qui est euh, grand public. Ok. Voilà. Bon, on mettra ça en, en lien dans, dans la description. Et bien sûr, Frédéric Bastiat, qu'il faut lire absolument, on a, on ouais. a cité la, la, la pétition des fabricants de chandelles, la loi, et euh, j'ajouterai euh, les sophismes économiques. Mmh. Voilà. Et, et je rajouterai aussi que ces livres mmh. sont quand même, euh, en tout cas ceux que tu cités, sont, sont simples à lire. Oui. Ah oui, Genre, oui, oui, on, a, on a beau dire même là dans le livre que tu m'as conseillé euh, de Heinrand, mm, euh, mm. où là c'est un corpus de textes, d'articles, euh, une théorie, une philosophie pour vivre sur la Terre, même la première partie qui est sur l'épistémiologie. Euh, c'est un peu lourd parce que c'est des c'est très abstrait oui, dans, ouais, dans ouais. un certain sens mais euh c'est très même, imagé ouais. de, de, de choses de, de 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 la vie de tous les jours et et en fait c'est tellement euh, logique mm. <laughs> ouais, ouais, ouais. que je sais pas c'est un peu mon esprit scientifique de mes études mais en fait mm. ça ça fait tellement sens ça ça fait du même du bien quand tu le lis et tu te dis ah mais oui euh, OK, c'est je, je je vois quoi. Alors qu'il y a il, tu vas tomber à aimamment sur des textes où tu auras beau les lire 10 20 oui. fois, tu es là tu tu comprends pas ce qui où il veut en venir. Et euh... il faut ce qu'il faut c'est être motivé. Ouais. Voilà, il faut être motivé, il faut avoir envie d'apprendre, il faut avoir envie <coughs> de se former, ce qu'on disait tout à l'heure et là après effectivement ces références là elles vont euh, elles vont énormément aider. Ouais. Bon, en tout cas merci pour merci, cet Victor. entretien, C'était euh, cette conversation. C'était très enrichissant. J'espère que ça, Merci à ça toi. a été aussi pour, euh, pour vous qui nous regardez. Euh, et puis, on, on se retrouvera très, très prochainement pour d'autres vidéos sur le sujet, sur la liberté. Peut-être préciser que euh, j'ai publié un article oui. sur votre site, Exactement. sur Ayn Rand, et qu'il y en aura d'autres. Euh, c'est le premier d'une série. Quoi. Ouais, euh, il ouais, y a un premier article, c'est « La liberté ou la mort ouais. ».« Donnez-moi la donnez liberté ou de... donnez-moi donnez la mort, mort ». Ouais. Ouais. Qui est, qui, est, qui est un bel article, qui est assez condensé. Puis, il y en a plein d'autres sur le mmh. site. Et il y en aura euh... ouais, un par semaine quasiment, là, qui va ah, sortir. Okay. Allez regarder ça, allez lire ça. Et à la prochaine. Ciao.